tous, je suis un vecteur chez Optérix, Microraptor, Sinornithosaurus, Epidexipterix, et puis Anuromantus, que des animaux volants et planeurs. Donc voilà. Donc première fois qu'ils voient le parc, les deux oiseaux, Archéoptérix et Sinornithosaurus. C'est la toute première fois qu'ils rentrent dans ce parc. Et pourquoi on est ici? Parce qu'on nous a signalé des espèces de crocodiles qu'on a préhistoriques qu'on n'a jamais vu encore. Donc on se retrouve près du lac. Ciao. Mais on visite un peu aussi pour voir s'il n'y a pas d'autres animaux dans les parages. Ciao. Bon les amis, d'après mes calculs, il y a un crocodile gros et un crocodile fin. Mais le truc, c'est que ce n'est ni Sarcosuchus, ni Deinosuchus. Il s'agit d'un Rhamphosuchus et d'un Purisaurus. Donc voilà, là on est proche du lac, donc on va aller voir ça. Désolé si c'est flou. A tout de suite. Voici, ils sont là. Et près du lac, le Rhamphosuchus il va vers l'eau. Ok. Oh, ils vont vers l'eau. Oh, mais qu'est-ce que. Oh, il y a un smilodon. Oh non, c'est même pas un smilodon. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose qu'un smilodon, ça. Oui, il s'approche de nous, Voilà, il est devant nous. Ok, on va couper. Et le croco, il se passe quelque chose là. Oh là là, j'ai eu chaud, regardez-moi ça, j'ai envoyé de la viande au tigre. C'est un Machairodus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ressemble pas à un smulodon. Et il s'en va, il me laisse tranquille. J'aurais pu le capturer, mais bon, je vais le laisser tranquille. Parce qu'il est trop stressé à cause des crocos là. Il s'est agité là, il n'y a plus personne là, ils sont tous allés dans l'eau. Bon, ben on va voir s'il n'y a pas d'autres animaux. Voilà sur quelle image magnifique on va terminer. Une horde de stégodons. Voilà, une horde de stégodons qui vont voilà, aller bord de l'eau tranquillement. Donc voilà d'autres espèces d'éléphants. Ça ressemble vraiment à des éléphants normaux, mais ils ont le dos plat. Voilà, ils ont le dos plat et des défenses plus en avant. Voici des stégodons. Donc on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Simplement abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas eu de course et il n'y a pas eu de capture. Mais les animaux, on ne les a jamais vus et ils sont magnifiques. Et surtout, c'est la première fois que Archéoptérix et Sinornithosaurus voient le parc. Donc voilà. Ciao, à bientôt.